Salut, salut, moi je vois que j'arrive après la bataille. Des tablettes supplémentaires pour la bibliothèque. On va s'occuper aujourd'hui de monter tout ça, d'assembler toute cette bibliothèque ici sur le chantier. C'est une journée d'immersion en chantier comme j'ai de temps en temps avec voilà, des projets divers et variés. Aujourd'hui, la bibliothèque. Voilà, les tablettes, les petites teutes. Il faudra bien ça, parce que des bouquins, il y en a partout, partout, partout. Qu'est-ce que j'oublie? Café, c'est fait, mais il ne faut pas que j'oublie mes affaires. C'est pas très loin, mais n'empêche que j'ai pas envie de faire des allées et venues. La colle, c'est bon. Enfin, a priori, il n'y a pas besoin de colle. Allez, feu, on y va! Bon, ça va pas se casser la gueule, tout ça. On va y aller doucement, hein. Allez, normalement j'ai à peu près bien rangé dans l'ordre dans lequel je vais m'en servir. Des tréteaux aussi, il y a des découpes à faire. Allez, on va commencer par le socle qui va tout définir en gros. Bon, au boulot. Désolé, ça résonne un peu, hein. Celui-là, il va. Le sol est en place, le sol est quasiment plat, il y a quelques tout petits jours que je vais caler à la fin si besoin. Pour le montage, je vais commencer par assembler mon meuble de coin et c'est là-dessus que va venir se greffer les autres morceaux. Les clamex y sont prévus pour pouvoir accrocher les autres morceaux, mais il faut assembler la partie de coin qui elle est vissée. Il y a pas mal d'endroits où je pouvais pas mettre de clamex intérieur-extérieur dans les onglets, c'était un peu compliqué, alors il y a quelques vis. Le dessus dessous, et il faut que je trouve les bons montants. Celui-là il va à droite. Alors les montants qui m'intéressent, ils ont des petits trous de vis. Voilà, il y en a un là. Et l'autre il doit être dessous. Ouais, celui-là. Allez, feu. Allez, lui fond. Thank you.
clac. Bouge pas. Hein. Le fond à pan cassé. Et il y a tout le chapeau. Allez, un petit coup de Rubio Express. En fait, ce panneau, il est un peu voilé, donc je le mets à l'envers, mais il fallait mettre le Rubio. Ouais, c'est mieux. Voilà, les deux petits morceaux de socle, ils sont solidarisés maintenant. Et il manquera de toute façon une petite pièce qui va finir de cacher l'angle. Il y a un petit jour ici, mais c'est parce que voilà, c'est pas tout à fait carré et on va s'en arranger avec l'angle qui va tout fermer. On va mettre le meuble de coin là-dessus et ça permettra de construire le reste. Je vais percer le trou qui permettra de continuer à accéder à la prise qui est là-bas dans le coin. J'ai pris des cotes, j'espère que c'est gras, mais c'est un petit peu incertain tout ça. Où est-ce qu'elles sont mes marques? Merde. Là. C'est bon, ça va passer. Bon, j'ai pas monté ça tout seul sur l'estrade, il y a Benjamin qui m'a aidé quand même. Presque. Oui, je fais les ménages et j'aime bien tenir le chantier propre. Allez, au premier de ces messieurs dames. Alors, les petites dents là des Clamex, elles doivent rentrer dans la petite fente qui est là. Il n'y a qu'un endroit pour mettre. Bon, voilà, les petits autos, ils sont rentrés dans la partie femelle. Et clac, verrouillage. Donc j'ai un tout petit ajustement à faire là, à ce niveau-là, sur le petit champ que j'ai mis. Mais en gros, ça y est. Bon, voilà le premier fond en place. C'était juste le plus dur. Maintenant, c'est du Lego. Voilà. Alors, le montant. Voilà, c'est à peu près la position par rapport au socle. Cet après-midi, je percerai des petits trous pour mettre des vis avec des petits bouchons derrière. Allez, le chapeau. Bon, là, tu vois pas, il y a un qui dépasse. Ah zut, il y a le chapeau. Voilà, il y a le débord du meuble par rapport au socle qui va venir coiffer au-dessus de la plinthe. Là, là on est pas mal. Et je vais visser le meuble sur le socle avec des petites vis et je cacherai les trous après. Ah, faut être souple. Alors je vais faire un trou de 10 mm juste sur 5 mm de profondeur
pour mettre la tête de vis. Donc, on a 30. Il faut que je perce à 40. Voilà, il manque le petit bout de plinthe qui fait la partie du coin là, et puis les boutons. Et je vais voir les petits taquets pour mettre les tablettes, voir si j'en ai assez. C'est pas gagné. Il va peut-être falloir que je fasse un saut chez Waldom ou un truc comme ça. Ah, c'est bien le marbre. Hein. Mais il doit y être là. Oui. C'est en place. On est allé manger, je suis revenu tout seul, Benjamin a attaqué le montage de la vidéo et moi je suis venu faire toutes les petites finitions. Et voilà, j'ai fabriqué une collection de petits bouchons avec un panneau DVA que j'ai passé avec la mèche à bouchonner et je vais reboucher tous mes petits trous. Donc un peu de colle et dans une demi-heure, je coupe tout ce qui dépasse. Malheureusement, à chaque fois que j'achète un paquet comme ça, je perds. Donc voilà, j'ai des paquets de 250 petits teuteux qui sont entamés un peu partout. Alors pour la tablette d'angle, il faut que j'enlève l'épaisseur du fond et de la petite feuillure qu'il y a au fond, donc 15 mm sur la périphérie pour que ça puisse rentrer. Allez, pas oublier de faire un petit coup de balai, ça coûte rien. Ça y est, c'est fini. Enfin, non, pas tout à fait. Il manque des tablettes, comme vous voyez, il y a des grands espaces vides avec des livres de poche. Il va y avoir des grands espaces. Je vais recouper quelques tablettes. J'ai vu avec ma cliente, elle va me commander une tablette pour là, une tablette pour là, une tablette pour là, ou deux pour là, ou quatre pour là. Donc, je ferai les tablettes complémentaires juste après. Un petit mot sur les Clamex de la Mello. C'est grâce à leur existence que j'ai pu monter ce genre de projet. Si j'avais pas eu ça, il m'aurait fallu faire venir quelqu'un pour m'aider à transbahuter les éléments en entier. Il m'aurait sans doute fallu louer un camion pour pouvoir l'amener jusqu'ici. Donc, voilà, c'est la première fois que je fais un aussi gros projet avec des Clamex. Mais voilà, je suis complètement conquis, c'est vraiment absolument génial. Ce matin, j'ai mis à peu près 2h30 à assembler l'ensemble de la bibliothèque sur place. Et ça s'est très très bien fait. Le pré-montage que j'avais fait en atelier, il m'a suffi de remonter au même endroit. C'était marqué sur l'arrière et puis voilà, ça s'est très bien passé. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'ai trouvé très plaisant à fabriquer cette bibliothèque en EVA. Et valchromate, j'ai préféré mettre du valchromate vert au fond là parce que c'est quand même plus chouette que du... j'aurais pu mettre du médium ou du mélaminé blanc, mais voilà. Ça apporte une bonne touche de couleur dans cette pièce qui est quand même relativement blanche partout, au sol, au plafond. Et voilà, ça va faire ressortir la bibliothèque, ressortir les bouquins à l'intérieur. Allez, retour à l'atelier. Le prochain projet, c'est une porte en châtaignier massif
avec un vrai panneau et un vrai cadre autour. Ça viendra très prochainement. Merci de votre attention. J'espère que cette vidéo vous aura plu, la petite immersion en chantier. Et voilà, j'essaye de le faire de temps en temps, mais ce n'est pas très facile. Il faut un petit peu de temps, il faut l'accord des propriétaires, que d'ailleurs je remercie pour leur confiance, leur sympathie. Et c'était vraiment chouette de pouvoir tourner ça. Ce n'est pas toujours facile de proposer ça à un client. On va se retrouver donc très bientôt pour cette porte en châtaignier. Et puis, il y aura plein de nouveaux projets, y compris, par exemple, il y a une série de vidéos que je veux faire autour de ces haut-parleurs pour téléphone. Là, on glisse le téléphone et il y a un haut-parleur. Il y en a un autre ici. Et en fait, je vais à la Maker Faire, je vais en fabriquer plusieurs de ces machins-là. Je vais proposer un atelier à la Maker Faire Paris, c'est fin novembre, le 27 novembre, je crois. Mettez déjà ça dans vos tablettes et puis on va s'occuper de ce sujet-là pour proposer des projets sympas et faciles à faire. Allez, à ciao, bonsoir.